families in the name of Jesus. Ils se souviendront de vos familles dans le nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. It is settled. Et c'est fait. There is somebody here. Il y a quelqu'un ici. They say your money you are due to receive all this while. Vous devez recevoir un montant d'argent déjà depuis un longtemps. He said this coming week. Il a dit la semaine prochaine. They will send for you to come and collect it. On vous appellera chercher cet argent. Thank you, Father. Merci, Père. There is another person here too. Il y a aussi une autre personne. They hide your document. Ils ont caché vos documents. So they couldn't treat your case. On n'a pas pu traiter votre cas. He said, but this week. Mais cette semaine. They will remember you for good concerning it. Ils se souviendront de vous dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci, Père. And also ask me to tell somebody here. Et aussi Dieu me demande de dire à quelqu'un. Two people here. Il y a deux personnes ici. In the name of the Lord. Au nom du Seigneur. You will get your job before the end of this month. He asked me to tell you. Vous obtiendrez votre emploi avant la fin de ce mois. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. It is settled. Et c'est Put fait. Your hands together for Jesus. Vos mains pour Jésus. That one is not that we pray. Oh. Ça, ce n'est pas le résultat de la prière. Hein. God said, I settled it. Dieu a dit, c'est déjà établi. Those cases mentioned. Ces cas qui ont été mentionnés. He said, they are settled. C'est déjà établi. So get ready to receive it in the name of Jesus. Donc apprêtez-vous à recevoir cela au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. It's a privilege tonight to bring the word of life to us. C'est un privilège ce soir de nous apporter la parole de lumière. Within the short time we have. Dans le peu de temps que nous avons. Understanding how God leads. Comprendre comment Dieu conduit. Hallelujah. Amen. Understanding how God leads. Comprendre comment Dieu conduit. We said it before that what you don't know, you don't know. On l'a dit auparavant, ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Hallelujah. Amen. And what you don't know, you will pay for it. Et ce que vous ne connaissez pas, vous paierez pour cela. As you see today, everybody is paying for his ignorance. Aujourd'hui, tout le monde paye pour son ignorance. Hallelujah. Amen. But the moment you know, mais lorsque vous connaissez, light break forth, la lumière jaillit, and darkness disappear, et les ténèbres disparaissent. One thing about light, une chose au sujet de la lumière, is that you see everything clear. C'est que vous voyez tout clairement. It gives direction. Ça donne la direction. Hallelujah. Amen. And eradicate confusion. Et ça éradique la confusion. That's why the Bible said it. C'est la Bible qui l'a dit. Psalm 119. Dans le psaume 119. Verse 130. Verset 130. C'est the entrance of the word of God. La révélation de la parole de Dieu. Gives light. Elle éclaire. Gives light. Elle éclaire. And it giveth understanding unto the simple. Et elle donne l'intelligence aux simples. Another one said, une autre parole dit, John chapter 1 verse 5. Jean chapitre 1 le verset 5. The light shine. La lumière lui. In darkness. Dans les ténèbres. And darkness. Et les ténèbres. Cannot comprehend it. Ne l'ont point reçu. Any area you are confused. Tout domaine où vous êtes confus. Just know this thing. Sachez seulement une chose. That darkness is prevailing there. Que c'est les ténèbres qui ont la victoire dans ce domaine. And the assignment of the word of God. Mais la mission de la parole de Dieu. Is to expose darkness and eradicate it. C'est d'exposer les ténèbres et d'éradiquer les ténèbres. So that confusion can come to an end in your life. Pour que la confusion prenne fin dans vos vies. Say amen to that. Dites amen à cela. That's why what you don't know, seek to know it. C'est pourquoi ceux que vous ne connaissez pas, cherchez à connaître. My people are perishing. Il a dit mon peuple périt. For lack of knowledge. Parce qu'il lui manque la connaissance. For lack of understanding. Le manque de compréhension. That is Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapitre 4 le verset 6. Hallelujah. Amen. Is somebody hearing me tonight? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? The entrance of the word. La révélation de la parole. Is light. Elle est claire. Hallelujah. Amen. Now here, it says God will only back up his plan in our lives, not our plans. Dieu va seulement soutenir son plan dans nos vies et pas nos plans à nous. If you want God to lead you,
Si vous voulez que Dieu vous conduise, discover the mind of God concerning you first. Découvrez la pensée de Dieu à votre sujet. Praise the Lord. Alléluia. Don't just fabricate your own plan. Ne fabriquez pas vos plans à vous. And bring God into it. Et vous introduisez Dieu dans vos plans. No. Non. God is not committed. Dieu n'est pas engagé. To anything outside his plan. En quoi que ce soit qui est en dehors de son plan. Hallelujah. Amen. For example, look at Jonah chapter 3 verse 1 to 5. You know the story. Par exemple, Jonah chapitre 1 verset 3 à 5. And the word of the Lord came unto Jonah the second time saying, arise, go unto Nineveh. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas la deuxième fois, lève-toi et va à Ninive. That great city. Cette grande ville. And preach unto it the preaching that I bid you. Et annonce-leur la parole que je t'ai demandé d'annoncer. You go and preach the message I give you. Tu vas leur donner le message que je t'ai envoyé leur donner. Not your own message. Pas ton message à toi. Hallelujah. Amen. So, Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Et Jonas s'est levé et allé à Ninive selon la parole du Seigneur. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. Et Ninive était une ville qui était environ 3 jours de marche. And Jonah began to enter into the city in a day's journey. Et Jonas entra dans la ville. And he cried and said. Et il cria en disant. He began to preach what God gave him to preach. Et là, il a commencé à annoncer le message que Dieu lui a demandé. What was the message? Quel était le message? He said, yet 40 days. Il a dit encore 40 jours. And Nineveh shall be overthrown. Et Ninive sera terrassée. In other words, shall be destroyed. En d'autres termes, Ninive sera détruite. That was the message. C'était le message. So, go and preach that message. Et Dieu lui a dit, va prêcher ce message. Does it look attractive? Est-ce que ça a l'air attirant? Ninive! In the next 4 days, dans les 4 prochains jours, you shall be destroyed. Tu seras détruite. In the next 40 days, dans les 40 prochains jours, you are dead. Vous êtes mort. Ah. Who is this man preaching like this in our country? Mais c'est qui cet homme qui vient prêcher de cette façon dans Who notre pays? Who are you? Qui es-tu? Where did you come from? D'où viens-tu? Do you know where you are? You are? Est-ce que tu sais où tu es? But they didn't challenge him. Mais ils n'ont pas défié. A stranger. Un étranger. You know Ninive. Vous connaissez Ninive. Ninive was the world power that time. À ce temps-là, Ninive était la ville toute puissante. The greatest nations at that time. C'était la nation la plus puissante à ce moment-là. I told you Ninive is the northern part of Iraq today. Je vous ai dit que Ninive c'est la partie nord de l'Irak aujourd'hui. It's still there. They still call that particular city Ninive in Iraq. En Irak, on appelle toujours cette partie du pays Ninive. So a strange man just entered into a city and started preaching like that. Et là, un étranger entre dans la ville et commence à prêcher de cette façon. Try it anywhere. Essayez ça un peu quelque part. You'll be arrested. Vous allez être arrêté. Who are you? Mais qui es-tu? But God sent him. Mais Dieu l'avait envoyé. God gave him that message. Je lui ai donné ce message. What was the response of this wicked nation? Quelle était donc la réponse de cette nation méchante? Of this violent nation. Une nation violente. This nation that very stubborn, that didn't listen to anything. Une nation entêtée qui n'écoutait rien du tout. But as this man was preaching what God gave him. Mais lorsque Jonas prêchait ce que Dieu lui a donné comme message. And God backed him up. Et Dieu le soutenait. That's what makes the difference. C'est ce qui fait la différence. Say amen to that, please. Il t'amène à cela. But look at what happened. Mais regardez ce qui s'est produit. When they began to hear that message, lorsqu'ils ont écouté le message, so the people of Nineveh believed God. Et là, le peuple de Ninive crut en Dieu. One word, they believe. En une seule parole, ils ont cru. What is it in that message to believe? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce message à croire? Ninive! In the next 40 days, dans les 40 prochains jours, you shall be destroyed. Vous allez tous détruits. We are sorry. Nous sommes désolés. God is powerful. Dieu est puissant. When God backs you, lorsque Dieu vous soutient, you are secured. Vous êtes sécurisé. Don't be afraid. Ne soyez pas apeuré. Anything God, any assignment God gives you, et toute mission que Dieu vous donne, you may not look like it. Vous pouvez ne pas ressembler à la mission. But obey. Mais obéissez. You will see God. Et vous verrez Dieu. Practically. De façon pratique. You will see God manifest. Vous allez voir Dieu se manifester.
Look at what happened. Regardez ce qui s'est produit. And proclaim. Look at. And so the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast. Jonas and 3, put 5. On sackcloth from the greatest of them, even to the least of them. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Including animals. Même les animaux. Went on fasting. Tout le monde s'est engagé dans un jeûne. Because God backed Jonah up. Parce que Dieu soutenait Jonas. Jonah was in the very center of God's plan. Et Jonas était au centre du plan de Dieu pour sa vie. So every word coming out of Jonah. Donc toute parole qui sortait de la bouche de Jonas. Was full of power. Était remplie de puissance. That breaks the heart of man. Et cette puissance brisait le cœur des hommes. The heart of the people of Nineveh. Qui brisait le cœur des gens de Ninive. Everybody. Tout le monde. From the least to the greatest. Du plus petit au plus grand. Surrender to God. Tous se sont abandonnés à Dieu. Including their animals. Même les animaux. The first place and the last in the Bible. Le seul endroit et même le seul dans la Bible. Where we had that animal fasted. Là où on a entendu que même les animaux ont jeûné. Hein? The sheep came and called the goat. Là, la brebis et le bouc s'approchent ensemble. Goat. Mon bouc. Have you eaten today? Tu as mangé aujourd'hui? No. Non. Why? Pourquoi? Are you not fasting? Tu ne jeûnes pas. You didn't hear. Tu n'as pas entendu, hein? There's a man of God in the city. Il y a un homme en Dieu en ville. I'm fasting. Il faut I don't want to die. Je n'ai pas envie de mourir. I want to live long. Je veux vivre. Praise God. Alléluia. Goat was telling the sheep. Et là, c'est le bouc qui dit à la brebis. And cattle was also telling the ox. Et même le bétail parlait aussi aux vaches. Are you fasting too? Vous jeûnez aussi? Ah, I'm fasting. Je jeûne. I don't want to be destroyed. Je n'ai pas envie d'être détruit. Praise the Lord. Alléluia. That's powerful. C'était puissant. To know that God backs up His plan. Pour savoir que Dieu soutient son plan. Every situation surrender. Toutes les situations sont assujetties. Ordinarily, de façon ordinaire, these people, ces gens-là, would have killed that prophet. Auraient tué même ce prophète. They killed that prophet. Il aurait tué. Because the message was not popular. C'était pas un message populaire. No country should accommodate that kind of message. Aucun pays ne peut accommoder un tel message. Would you advise us first? Est-ce que tu ne vas pas d'abord nous conseiller? You just bang on our city like that, say you will destroy. Et tu entres dans notre vie nous disant que nous allons être détruits. Because God was in it. Mais parce que Dieu était engagé. Everybody surrender. Donc tout le monde a été assujetti. I pray for every one of us tonight. Et je prie pour chacun d'entre nous ce soir. You will walk in His plan for your life in the name of Jesus Christ. Vous marcherez dans le plan de Dieu pour votre vie dans le nom de Jésus Christ. That's why 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 also said. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 24 dit. Faithful is He that calleth you, who also will do it through you. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera à travers vous. Say amen to that. Dites amen à cela. Even look at God. God led Noah to build the ark. That save his generation and preserve human race. Et même Dieu a demandé à Noé de bâtir, de construire l'arche qui a préservé sa génération. Say amen to that. Dites amen à cela. That's Genesis chapter 6, verse 13 to 14. Genèse chapitre 6, 13 à 14. And God said unto Noah. Et Dieu dit à Noé. The end of the flesh, the end of the all flesh is come before men. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. He said, for the earth is filled with violence. Car ils ont rempli la terre de violence. And behold, I will destroy them with the earth. Voici, je vais les détruire avec la terre. Now, that same Genesis 6, 22. Maintenant, Genèse 6, le verset 22. Thus did Noah according to all that God commanded him, so he did. Ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Amen. And because of this, God could use Noah to preserve the entire generation. Et à cause de cela, Dieu a utilisé Noé pour préserver toute une génération. Even look at Hebrews chapter 11, verse 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. He said, by faith, being warned of God of the things, he said, by faith, Noah,
Being one of God, of things not seen as yet, move with fear, prepare an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Amen. Do you know that only this man walked in the plan of God in his generation? Savez-vous que seul Noé a marché dans le plan de Dieu pour sa vie dans toute sa génération? The rest were walking in their own plan. Le reste de la génération vivait chacun dans son plan à lui. Because when Noah finished this ark, lorsque Noé a fini de construire l'arche, he began to go to the city. Il a fait le tour de la ville. Appealing to men. Et il demandait aux hommes, please come. S'il vous plaît, venez. God is about to destroy the whole world. Dieu est sur le point de détruire le monde tout entier. He asked me to build this ark. Il m'a demandé de construire l'arche. This is how they look at him like a madman. Il le regardait comme un fou. I got business to do. Moi, j'ai mes affaires à traiter. Who is God? Quel Dieu? Who is God are you talking about here? Tu parles de quel Dieu là? The Bible says everybody busy doing their own thing. La Bible dit que chacun d'entre eux occupé à faire ses affaires. People were getting married. Ils se mariaient. People were opening new businesses. Ils ouvraient de nouvelles affaires. Yeah, this man was building the ark for almost 120 years. Et pendant 120 ans, Noé bâtissait ou construisait l'arche. Holy people to come. Et il invitait leur demandant de venir. They didn't listen. Ils ne l'ont pas écouté. Only his family obeyed. Seule sa famille a obéi. So what actually carried them away? Mais qu'est-ce qui les a emportés en from fait? Hearing the voice of God through Noah. Et empêché qu'ils écoutent la voix de Dieu à travers Noé. Their own plan. Leur plan à eux. Their own plan carried them away. Ils ont été emportés par leur plan à eux. You see why people will not walk in the plan of God? C'est pourquoi les gens ne vont pas marcher dans le plan their de Dieu. Their own plan will not allow them. Leur plan à eux ne leur permet pas. They be carried away by their own plan. Ils sont emportés par leur plan. Even some animals, même certains animaux, who believe in the plan of God for their life, qui ont cru au plan de Dieu pour leur vie, they obey the voice of Noah that day. Ils ont obéi à la voix de Noé ce jour-là. Including snake, même le serpent, ah, l'escargot. Noah said. Noah a dit, oh, my wife. Ma femme. Noah said, oh, Noé a dit, oh, that God will destroy life. Que Dieu va détruire. He said, we should come. Il a dit de venir. Are you not going? On ne va pas. I will go. On part. Even snail, même l'escargot, enter, est entré. Chicken enter, même le poulet est entré, la poule. This, praise the Lord. Hallelujah. Because these are the beasts, animals, you know, fowls that multiply that you see everywhere today. Ce sont ces animaux-là qui aujourd'hui ont été multipliés que nous voyons partout. Yes. Oui. It is the children of Noah. Ce sont les enfants de Noé that also give birth to every one of us. Qui ont donné naissance à toute la génération que nous sommes aujourd'hui. Because if nobody enter, parce que si aucune de ces personnes n'était entrée, you won't see anybody on earth today. On ne verrait personne sous terre aujourd'hui. Hallelujah. Amen. When God said that let male and female enter, lorsque Dieu a dit que ce soit un mâle et une femelle qui entrent, it's because so that they can reproduce. C'est pour qu'ils se reproduisent. But those ones that believe in the plan of God, ceux-là qui ont cru au plan de Dieu, they obeyed the voice of God. Ils ont obéi à la voix de Dieu. And they were preserved. Ils ont été préservés. The only secured atmosphere, la seule atmosphère sécurisée, is the atmosphere of the plan of God for our life. C'est l'atmosphère du plan de Dieu pour nos vies. Anything outside God's plan, tout ce qui est hors du plan de Dieu, is a risk. C'est un risque. That's why we must seek his plan for our life. C'est pourquoi nous devons chercher le plan de Dieu so pour nos how vies. Do we access divine guidance? Donc comment accédons-nous à la direction divine? Number one. Numéro un. Through prayer and fasting. À travers le jeûne et la prière. You want to tap into the mind of God concerning your life. Vous voulez avoir accès à la pensée de Dieu au sujet de votre vie. You need to engage prayer and fasting. Vous devez engager le jeûne et la prière. Because everything about God is spiritual. Parce que tout ce qui concerne Dieu est spirituel. You see, God is spirit. Dieu est esprit. He that will worship him, celui qui doit l'adorer, must worship him in spirit and in truth. Doit l'adorer en esprit et en vérité. And what does the prayer and fasting
does, et quel est donc l'effet du jeûne et de la prière? Is to sharpen your spirit man. C'est aiguiser votre homme intérieur. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? To receive from heaven. Afin de recevoir du ciel. Prayer and fasting kill activities of carnality in your life. Le jeûne et la prière tuent les activités de la chair dans vos vies. And empower the spirit man to come alive. Et revêt de puissance l'homme intérieur, votre esprit, à revenir en vie. At that point, à ce niveau, he can receive from the spirit God. Il peut recevoir de l'esprit de Dieu, votre esprit. You know, God is spirit. Parce que Dieu est esprit. If you are not spiritual, si vous n'êtes pas spirituel, you will not follow him. Vous n'allez pas le suivre. That's why we engage prayer and fasting. C'est pourquoi nous engageons le jeûne et la prière. Look at what he say here, Isaiah 58 verse 6. Isaïe 58 le verset 6. Is it not the fast that I have chosen? Voici number le jeûne auquel je prends plaisir. To loose the band of wickedness. Un, détache les chaînes de la méchanceté. Activities of the devil that is binding you. Les activités du diable qui vous lie. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? And to undo every burden. Et dénouer les liens. The care of this world. Les liens de la servitude, les soucis de ce monde. That has become a load. Qui sont devenus un fardeau. Upon your life. Sur votre vie. That never allow you to hear what God is saying. Et vous empêche d'écouter ce que Dieu dit. And to let the oppressed go free. Envoie libre les opprimés. And to break yokes. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Break every yoke. Toute espèce de joug. Alléluia. Amen. These are the operation of carnality. Ce sont là les opérations de la chair. Operation of wicked spirit. Les opérations des esprits maléfiques. That oppress people in the realm of carnality. Qui oppressent les gens dans le domaine ou la dimension de la chair. When you begin to see all these things. Et lorsque vous voyez toutes ces choses. Oppressing destiny. Qui oppressent les destinées. Are you a remain? Est-ce que vous m'entendez? Is traceable to carnality of man. On peut retracer ça à l'activité de la chair dans la vie des hommes. Carnal activities of man. Les activités de la chair dans la vie des hommes. This spirit cannot come to spirit man or spirit filled man. Cet esprit-là ne peut pas affecter ou encore influencer l'homme qui est rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. So, when you begin to engage fasting and prayers. Et lorsque vous engagez le jeûne et la prière, you begin to disarm this activity, the activities of this evil spirit in your life. Et là, vous désarmez les activités de cet esprit satanique dans vos vies. God, their assignment is to bind you. Parce que leur mission c'est de vous lier. And bring you out of the atmosphere where you can hear God. Et vous faire sortir de cette atmosphère où vous pouvez entendre Dieu. You know when this spirit operates in human being. Vous savez, lorsque cet esprit agit dans la vie d'un être humain, when you begin to sow to the flesh, lorsque vous semez dans la chair, they will come. Ces esprits viendront. They will bind the person. Et là, ces esprits vont lier la personne. I've seen some people who are browsing pornography. J'ai vu des gens qui naviguent sur Internet et qui regardent des sites pornographiques. And it got to a point. Et à un niveau, the spirit behind that evil, l'esprit derrière cette activité-là, grab his brain. Va prendre l'ampleur sur son cerveau and disorganize it. Et va désorganiser son cerveau and bind him and run him mad. Et le lier et le rendre fou. You will see another one. Une autre personne. He will just make you sad of your life. Cet esprit va vous rendre triste au sujet de votre you vie. You are sad over your life. Vous êtes triste au sujet de votre vie. And you see yourself being oppressed with the spirit of depression. Et là, vous êtes oppressé par l'esprit de dépression. And you are now hearing the person say, "I want to kill myself." Et là, vous entendez la personne dire, "Je veux me suicider." You want to commit suicide. Là, elle veut se suicider. Is it the person? No. Mais la personne, non. He has been doing things that invite that spirit into his life. En réalité, s'est engagé dans des activités qui invitent cet esprit dans sa vie. Into our life. Dans sa vie. And bind him. Et là, l'esprit lie la personne. But when you begin to engage the weapon of prayer and fasting. Lorsque vous engagez l'arme du jeûne et de la prière. Hallelujah. Amen. Then you are engaging the power of the spirit. Là vous engagez la puissance de l'esprit. To come and lift up a standard. Et que cet esprit élève un standard. Against the wicked spirit binding you. Contre cet esprit satanique qui veut vous lier. And set you free. Et là vous êtes libéré. And when you are spiritually inclined. Et lorsque vous êtes incliné, orienté spirituellement. Through this spiritual investment. À travers cet investissement spirituel. You can now be hearing God. Là, vous pouvez entendre Dieu.
your spirit man will come alive. Et votre homme intérieur, votre esprit va revenir à la vie. That's why if you want to hear God, c'est pourquoi si vous voulez écouter you Dieu, must first of all subdue your flesh. Vous devez d'abord assujettir votre chair. Through prayer and fasting. À travers le jeûne et la prière. Say amen to that. Dites amen à cela. And look at what happened in verse 11. Et au verset 11. As we round off. Nous allons conclure. And the Lord shall guide thee continually. Et l'Éternel sera toujours ton guide. And satisfy thy soul. Il rassasiera ton âme. In drought. Dans les lieux arides. And make fat thy bone. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Alléluia. Amen. I just want to see a place where he said that your light will break forth out of obscurity. Et il a ta lumière jaillira des After ténèbres. You begin to engage the weapon of prayer and fasting. Lorsque vous engagez le jeûne et la prière comme arme. Say your light break forth. Et là il dit votre lumière poindra. Out of obscurity. Jaillira des ténèbres. The power keeping you in the darkness. Et cette puissance qui vous gardait dans les ténèbres. Loses its grip upon your life. Va perdre son emprise sur votre vie. Their power is broken. Et la puissance est brisée. And the light from heaven shine upon your et life. Et la lumière qui vient du ciel va jaillir et luire sur votre vie. And that is when you begin to hate what you are doing. Et là vous allez haïr ce que vous faites. I don't want it anymore. Je ne veux plus faire cela. I want to live my life to please God. Je veux vivre ma vie et plaire à Dieu. That is the power of prayer and fasting. Ça c'est la puissance du jeûne et de la prière. And then also remain in love with God. Et aussi demeurer amoureux de Dieu. His eyes have not seen. Parce que les yeux n'ont point vu. What the Lord has prepared. Ce que Dieu a préparé. For them that love him. Pour ceux qui l'aiment. In fact, look at verse 10. Le verset 10. He said, but God has revealed them unto us by his spirit. Mais Dieu nous a révélé toutes ces choses par son esprit. For the spirit searcheth all things. Car l'esprit de Dieu sonde toutes choses. Yea, the deep things of God. Oui, les choses profondes de Dieu. You know, there is a realm you enter. Vous savez, il y a une dimension où vous allez entrer. Through spiritual exercise. Par des exercices spirituels. That you will know. Et vous saurez that God is speaking to me now. Que là Dieu me parle maintenant. Not necessarily with this ear. Pas nécessairement avec l'oreille physique. You will be hearing your inner man. Mais votre homme intérieur vous parlera. Communicating the mind of God to qui you. Va vous communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. There is a spiritual investment. Il y a un investissement spirituel. That takes you to that deeper life in God. Qui va vous introduire dans cette vie profonde avec Dieu. We will enter. Nous allons tous y entrer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Also you can have a true vision. Aussi à travers la vision nous avons accès à la direction divine. But God decide that one. Mais là ça reste la réserve exclusive de Dieu. You don't seek vision. Vous ne cherchez pas les visions. God himself. Dieu lui-même. Decide to speak to you. Décide de vous parler. By vision. Par des visions. Look at it as I round off. Acts chapter 16, verse 9. Acts 19, Acts 16, verse 9. And a vision appeared to Paul in the night. Pendant la nuit, Paul eut une vision. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. That is how God spoke to Paul. Et c'est comme ça que Dieu a parlé à Paul. And directed his path. Et il a dirigé. To Macedonia. Pour qu'il arrive à Macédonie. Beginning from today. À partir d'aujourd'hui. God will begin to speak to you. Dieu commencera à vous parler. He will begin to appear to you. Il va vous apparaître. Any confusion in your life. Toute confusion dans votre vie. Is already eradicated today. Il est déjà éradiqué aujourd'hui. Rise to your feet. Tenez-vous sur vos pieds. Thank you, Father. Merci, Père. To him alone be all the glory. À lui soit toute la gloire. That's why you will just pray this prayer. Et nous allons faire cette prière. That Lord, where I am missing it tonight. Seigneur, là où je passe à côté. Redirect my step to your plan. Redirige mes pas dans ton plan. Where I am going astray. Là où je suis en train d'aller du mauvais côté. Knowingly or unknowingly to me. Consciemment ou inconsciemment. Lord, redirect my path. Ta parole qu'elle redirige mes back pas. Back to your plan. Et que j'entre à nouveau dans ton open plan. Open your mouth and pray that prayer. Ouvrez votre bouche et oh faites cette Lord, prière. Lord, open my eyes. Oh Seigneur, ouvre mes yeux. To see. Afin que je vois. Your plan for my life. Ton plan pour ma vie. Wherever I am missing it tonight, là où je suis passé à côté, open my eyes to see Jesus. Ouvre mes yeux afin que je direct, vois Jésus. Begin to direct my path. Commence à diriger mes pas. Any trap I've entered, et tout piège dans lequel je suis tombé, as a result of ignorance, résultant de mon ignorance, Lord, bail me out tonight. Seigneur, fais-moi sortir and ce soir. Set my feet, et établis mes pas, on the path of life, sur le chemin de and la vie. Set my feet, établis mes pas, in the center of your plan for my life, au centre de ton plan pour ma wherever vie.
passing in, là où je suis passé à wherever côté, I'm doing it wrong, là où je ne fais pas ça correctement. Oh Lord, correct me tonight. Seigneur, corrige-moi ce soir. Speak to me. Parle-moi. Either through your vision, que ce soit par vision, as I'm fasting, oh God, ou aussi que je jeûne. Speak to my heart. Parle à mon cœur. Reveal yourself to me. Révèle-toi à moi. And redirect my path. Et redirige mes pas. Into the center of your plan for my life. Au centre de ton plan pour ma vie. Thank you, Father. Merci, Père. We give you praise. Nous te retournons la louange. It is settled. Et c'est fait. Amen. Amen. Maybe somebody standing somewhere tonight. Il y a quelqu'un ici qui se tient debout quelque part. Oh, you know you have missed it. Vous savez que vous avez raté. Because what you are experiencing. À cause de l'expérience que vous avez. Is sending message to you. Ça vous envoie un message. That you need to retrace your step back to God. Que vous devez revenir à Dieu. And he said it. Et il a dit. Say, come. Venez. Come unto me. Venez à moi. You have missed it, but come. Vous êtes passé à côté, mais venez. I will restore you. Je vais vous restaurer. I'll give you a new beginning. Vous donner un nouveau départ. If you are here tonight, vous êtes là ce soir. You want to rededicate your life to vous voulez reconsacrer votre vie. To walk in his plan for your life. Et marcher dans le plan de Dieu pour votre vie. You will pray this prayer. Vous allez faire cette prière. Or maybe you are here. Peut-être que vous êtes là. You don't even have relationship with him. Vous n'avez même pas de relation avec lui du tout. You have been living your life the way you want. Vous menez votre vie comme vous le souhaitez. It won't work like that. Ça ne marche pas comme ça. Humble yourself tonight. Soyez humble ce soir. And receive him into et recevez-le. So therefore, pray this prayer after me. Donc faites cette prière après moi. Before you partake of the communion, it's very important. Avant de prendre la communion, c'est très important. So close your eyes. Fermez vos yeux. And pray this prayer after me. Faites cette prière après moi. Say, Lord Jesus. Dites, Seigneur Jésus. Have mercy on me tonight. Aie pitié de moi ce soir. Forgive me my sin. Pardonne mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi de ton sang. I know I missed it. Je sais que je suis passé à côté. But cleanse me with your blood. Mais purifie-moi avec ton sang. And right now, et maintenant, I surrender my life to you. Je t'abandonne ma vie. I rededicate my life. Je te reconsacre ma vie. As my Lord and my Savior. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. All things are passed away now. Les choses anciennes sont passées. Things are now become new. Toutes choses sont devenues nouvelles. Thank you, Jesus. Merci Jésus. For saving me. De me sauver. Amen. Amen. Congratulations. Félicitations. You pray that prayer. Let me see your hand. Vous avez fait cette prière. Laissez-moi voir votre main. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Là où vous êtes. Let me see your hand. Laissez-moi voir votre main. That tonight, ce soir, I am redirecting my step back to God. Je reviens à Dieu. I miss it, but I am coming back to je God. Je suis passé à côté, mais je reviens à Dieu. I want to pray for you. Je veux prier pour vous. Anyone there? Let me see your hand. J'aimerais voir votre main. Laissez-moi voir. Hallelujah. Amen. If you are lifting your hand, lift it up very well. Si vous levez la main, faites-le bien. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you tonight. Que Dieu vous bénisse ce soir. God bless that hand. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Father. Merci Jésus. Thank God that every one of us is in line tonight. Now, you will stretch forth your hands to the communion. Étendez votre main à la communion. Whatever you came with as your desire. Ce que vous êtes venu ici avec comme désir. That by the blood of Jesus tonight. Et par le sang de Jésus ce soir. Turn it to testimony in my life. Seigneur, change son témoignage dans ma vie. I came tonight. Je suis venu ce soir. Trusting you. Et j'ai confiance en for toi. For my change of story. Croyant en toi pour un changement d'histoire. Around. Pour changer ma vie. By the blood tonight. Par le sang ce soir. Turn my expectation. Change mon attente. To testimony. En témoignage. Any sickness. Et toute maladie. Or oppression. Ou oppression. That I don't want to see in my life. Que je ne veux plus voir dans ma let vie. Let it be gone tonight. Qu'elle disparaisse ce soir. Let it be disappear tonight. Que cela disparaisse ce soir. Restore me by your blood tonight. Restore-moi par ton sang ce soir. Empower me by your blood tonight. Revêt-moi de puissance par ton sang ce soir. Thank you, Father. Merci, Père. It is settled. Et c'est fait. Amen. Amen. In this third day, Lord Jesus. En ce troisième jour, Seigneur Jésus. Anything dead in their life. Tout ce qui est mort dans leur vie. By the blood. Par le sang. Let it come back to life tonight. Que cela ressuscite ce soir. Let it come back to life tonight. Que cela ressuscite ce soir. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Everything you bring as expectation. Tout ce que vous avez comme attente. By the blood. Par le sang. Turn to testimony tonight. C'est changeant témoignage ce soir. Thank you, Father. Merci, Père. It is settled. Et c'est fait. Amen. Amen.